Alors, je vais compter. D'une réflexion sur le rapport entre la scène, les artistes et le public. On trouvait qu'il y a toujours un rapport frontal en fait, un rapport assez binaire entre... voilà. Du coup l'idée c'était d'utiliser la musique populaire, faire quelque chose d'un peu plus... un peu différent justement à ce niveau-là, donc de montrer qu'on peut aussi écouter un concert différemment, qu'on peut voir un concert différemment, qu'on peut ressentir la musique différemment que d'une manière frontale en fait. Ce qui nous a excité avant tout, c'était de mettre un public au milieu, entouré d'enceintes, et que le public voyage et perde ses repères en fait. Ça, c'était la première idée de base. Après, Elliot était en musicologie avec des membres de Yaros, et on connaissait son travail en fait, de spatialisation. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui propose de comme ça, placer des sons dans l'espace. Du coup, ça a ouvert des portes, ça a fait gamberger un peu tout le monde. Et du coup, on a décidé de monter un projet autour de ça. La spatialisation, on voit ça beaucoup en musique contemporaine, par exemple, au GRM, par exemple, ou des endroits comme ça qui sont plus habitués historiquement à utiliser ces dispositifs un peu plus hétéroclites, quoi. Le gros intérêt aussi, c'est justement pas que de placer ces sons dans l'espace, qu'on voit beaucoup, mais de composer vraiment l'espace comme on composerait d'autres dimensions de la musique, c'est-à-dire le timbre, les fréquences, enfin, tout ce qu'on peut trouver en musique. La dimension spatiale, c'est un paramètre en plus à composer, et vraiment c'est vraiment comme ça qu'on le prend expérimentalement. Donc c'est un travail entre de lutherie électronique un peu aussi, de trouver des effets qui vont marcher spatialement. Donc c'est cette création-là qui est intéressante aussi. Un effet un peu comme ça, tu sais, ça pourrait vraiment se démarquer, tu vois, de l'instru et mais sur les typer la voix. Ou qui est du direct, ou c'est sur le direct, ou sur le direct. Faire vraiment une voix un peu téléphone avec une espèce de petit delay là serré au cul. Je le mets. Ouais, je vais écouter. Allez, tu prends la main sur le delay. Ils partagent les délais. Il a un forfait délai, lui. Ah ouais. Ah ouais, attends, c'est du délai de luxe aussi. Attends. Quoi là? Bah, le sucre que t'as mis sur la voix là. Tu peux pas le faire, toi. C'est le même genre. Non, mais moi je peux peut-être en fait, travailler sur de voix, peut-être Timber, un poil moins médium, justement. C'est le délai qui répète l'autre. Ah, c'est vrai que ça la renforce. Timber. Vas-y, dis le texte, toi. Pensez. Perce. On comprend toujours. Ville. Trouver. Je peux le baisser un peu. Dans les albums qu'on fait, dans les albums de Yaros, dans un set normal, on va dire, on a toujours eu tendance à métisser. C'est un chemin qu'on aime bien prendre, quoi. Le métissage musical, pas forcément rester dans des carcans de chansons françaises ou de rock français, essayer d'aller plus loin, d'aller piocher des inspirations un peu partout, en fait.
pensées bercées. J'ai pris un petit synthétiseur que je joue pas dans Yaros. Avec Yaros, je joue plus des claviers, des pianos, des timbres un peu plus chauds, acoustiques. Là, je trouvais ça intéressant de développer la partie électronique, justement, que je développe moins dans Yaros. Donc c'est une approche assez différente. À la guitare, c'est un peu pareil. J'essaie de me diriger plus vers des sons un peu brutistes, un peu triturés, avec les pédales. Je vais plus jouer avec le potard des pédales, comme tu as pu le voir. Voilà, donc ouais, c'est pas tout à fait la même approche. C'est une approche plus expérimentale. Il y a vraiment zéro limite. C'est ce qui est aussi dur à gérer parce qu'on peut aller dans tous les sens. Et faut pas faire un. Voilà, on va pas faire le tour du monde en 45 minutes non plus, quoi. Faut pas tomber là-dedans parce que sinon on sera gâté, quoi. Mais ouais, ça offre une possibilité de choses infinies et ça c'est vraiment excitant. Et puis ça va être rigolo de voir les gens probablement un peu déroutés aussi parce que c'est un peu voulu et parce qu'à mon avis c'est ce qui va se passer, quoi. Un petit moment d'écrire un long texte et de partir dans une idée un peu comme ça où de faire un spectacle total et pas forcément d'avoir des chansons de 3 minutes. Réveil en Berne, coupure de son. Nous sommes oubliés. Nous nous sommes oubliés. Et sous le pavé reste l'amertume des cœurs éclatés. Rouge au cœur, mais noir dedans. Il y a un truc que j'aime beaucoup qui s'appelle Nous n'avons fait que fuir de Noir Désir. C'est un spectacle qui a été enregistré aux Ursulines en 2001, je crois, 2002, sauf que là on est en 8, mais c'est un peu le même genre de délire où il y a un long texte de 55 minutes, sans cassure, avec des longues plages musicales. Voilà. Nous nous sommes oubliés. Nous nous sommes oh.